Pour sélectionner une destination, appuyez sur le bouton « Menu », puis appuyez sur « Destination ». Touchez ici pour rechercher une adresse ou un point d'intérêt en l'entrant à l'aide du clavier de l'écran tactile. Autrement, touchez une icône pour définir la destination comme suit. L'adresse de votre domicile, un point d'intérêt, votre adresse au travail, une adresse municipale, une destination précédemment définie dans le système, une destination enregistrée dans le carnet d'adresse, le centre d'une ville sélectionnée. Une deuxième page d'options vous permet de définir la destination en entrant, une intersection de deux rues, les itinéraires enregistrés dans le système, en naviguant sur la carte, le numéro de téléphone de l'emplacement, Travel Link de SiriusXM, la latitude et la longitude. Des abonnements supplémentaires peuvent être requis pour certaines de ces caractéristiques. Dans certains cas, pour entrer une destination, il vous faudra modifier la province avant de poursuivre votre recherche. Une fois la destination saisie, le système calcule l'itinéraire. Pour annuler un itinéraire, appuyez sur le bouton « Menu », puis appuyez sur « Annuler l'itinéraire ». Pour définir une destination à l'aide des commandes vocales, enfoncez le bouton « Parler » sur le volant, dites « Navigation », puis dites l'une des commandes disponibles énumérées comme « Adresse municipale ». Suivez les invites fournies par le système pour effectuer la recherche. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.